ce grand plan d'APA qui est un format que la rédaction. Le plan d'APA, je veux dire, parce que là, on a ici une rédaction écrite. À l'époque, c'était vraiment. Le président de la République donc s'expose, si vous voulez, parce qu'il considère qu'il a une légitimité assez forte. Ce n'est pas une légitimité indirecte, comme dans un régime parlementaire où l'Assemblée investit le président. Ici, c'est un régime présidentiel, avec un exécutif incarné par le président. Dans un régime présidentiel orthodoxe, d'ailleurs, il n'y a pas de gouvernement. Alors que vous l'avez constaté, le gouvernement, c'est ça le paradoxe de la réforme un peu. Le Premier ministre est supprimé, mais l'institution gouvernementale ne disparaît pas. Le fast-track, l'idée me semble être intéressante. Mais le fast-track, ce n'est pas simplement la suppression des postes de Premier ministre. Le fast-track est beaucoup plus puissant que ça. La suppression du poste de Premier ministre, pour moi, cela peut être un premier pas d'aller vers une administration beaucoup de célérité. Je crois que le fast-track, c'est une réforme en profondeur de l'administration.